Well, premièrement, ça qui pour moi c'est étonnant, c'est que le vice-président contredit ça qui son ministre finance Jean-Paul Adam Tivindi devant l'Assemblée nationale. Parce qu'il dit, pour dire sa transaction, qu'il a lancé ses lois, une cause de l'eau, c'est-à-dire, là, 50 millions de dollars, tu es entré, tu as payé, sorti dans le compte gouvernement par le Bank of Baroda, pas de jamais passé. Lui, M. Faure, il vient confirmer comme quoi ça n'arrivait. Pour moi, il présente un problème tout de suite parce qu'il y a une contradiction. Mais deuxièmement, si jamais le gouvernement recevait 50 millions de dollars, qui ça les temps, tu n'as pas de devise, tu as une grosse somme d'argent, qui manie Pepsi Seloa, il compte ça 13 ans plus tard. D'après la Constitution et Public Finance Act, aucun l'argent qui gagne donné comme un don avec le gouvernement Cécil, il devrait gagner déclaré dans le compte gouvernement. Et quand il gagne déclaré dans le compte gouvernement, c'est l'obligation du ministère des Finances pour lui présenter ça devant l'Assemblée nationale. Tout l'argent qu'il recevra comme un don, ça ne peut jamais gagner faire. Deuxièmement, ça qui nous besoin de demander, c'est je dis que ça l'argent qui est payé dans Bank of Baroda d'un compte SMB qui à l'époque tu as l'étranger, pas oublier tu as un contrôle de devise tout compte qui devrait être ici. Mais de toute façon, si SMB l'était recevoir l'argent sorti du gouvernement, donc compte SMB en 2002, tu devrait être réflecté un don sorti du gouvernement et ensuite paiement qui vaut 50 millions de dollars qui est une faire une commodité. Nous ne pouvons jamais voir ça dans le compte SMB. Nous ne pouvons jamais voir ça dans le compte gouvernement qui est présent, il présente nous, il nous demande nous les corps, beaucoup de questions. Qui m'a dit le gouvernement, il déclarait comme quoi il peut faire la transparence, mais dans son compte, il n'a pas déclaré ça. Et si il vient dire que Pepsi c'est loi, 13 ans après qu'il est arrivé, oui, il est arrivé, et en même temps, il peut démentir ça qui est son ministre des Finances qui l'a aujourd'hui, il fait que déclarer avec l'Assemblée nationale. Oh, la crédibilité de ce gouvernement. Premièrement, il y a un gros somme d'argent et si SMB a recevé 50 millions de dollars, il devrait être réflecté dans son compte. Je crois que c'est pour nous autres mettre ça en perspective. 50 millions de dollars, c'est à l'époque c'est équivalent parce que 300 millions ou plus. Mais pour la compagnie par SMB, ça, c'est probablement pour doubler son turnover, qui est quelque chose qui peut passer. Alors, il y a une grosse somme qui est inversée. Ni dans le compte gouvernement pas réflecté, ni dans le livre SMB pas réflecté. Alors pour moi, c'est si vous voulez la vérité, vous devrez commencer avec sa ministre qui est responsable pour le ministère des Finances, qui est le président Michel aujourd'hui, et devrait demander à cause qui, en bas son responsabilité, un gros somme d'argent qui est entré, pas réflecté dans le compte gouvernement 2002. Nous avons un compte 2002 qui gouvernement qui présente de la, devant l'Assemblée nationale. Tu en as 27,9 millions de roupies qui ont été déclaré comme un cadeau ça l'en est. Mais 50 millions de dollars à l'époque, c'est équivalent presque 300 millions de roupies. À cause ça partie d'un compte gouvernement et on vient déclarer ça 13 ans plus tard. Qu'on est, je peux mettre ça dans l'accusation, le moins, parce que peut-être mon fait beaucoup l'ennemi parmi les bandes qui sont responsables pour faire la faillite à Seychelles. Bien d'autres mots, ça bande des gens qui sont responsables de la gestion à Seychelles à l'étang, qui ont fait perdre l'argent depuis 2009, 2010 et 2011, qui tous les trois années ensemble, c'est un total presque 21 millions d'euros. Pas oublier que le gouvernement lui-même verse presque 20 millions de dollars dans le compte Seychelles en 2009 et le vice-président Danny Faure déclare avec l'Assemblée nationale en décembre 2009 que la raison que Seychelles a fait faillite, c'était mauvais contrat et mauvaise gestion. Alors, pour moi, quand on regarde sa situation, je crois qu'il est nécessaire que nous connaissions la vérité. Mon pan zamen recommande qui est Seychelles qui a fermé. En effet, moi,
mon petit gars a pointé le son board presque 2 ans après qu'il a fini de faire faillite et qu'il peut continuer à faillite. Le gouvernement, parce qu'il y voit l'IPDV beaucoup l'argent dans la compagnie, qui lit les actionnaires, il dit, et si tout avec pression sorti à IMF, qui nécessaire qu'il y ait un officier finance senior. Il a six le bord des Seychelles pour essayer de trouver quoi qu'il a le mal. Et une fois qu'il connaît quoi qu'il a le mal, il de trouve une solution. Une bonne chose qui, moi, comme un officier finance, comme on dit là-bas, je suis capable de confirmer que vraiment, c'était un mauvais contrat. Qui tu peux faire Seychelles perdre l'argent, par exemple, tu en as beaucoup plus d'avions que tu méritais, tu peux vendre des tickets avec certains autres partenaires à bon prix qui tu fais perdre énormément l'argent. C'était ça vraiment qui était responsable pour faire la compagnie faillite. Mais quand tu commences à demander sa bonne question, tu en mars 2011, 10, forcé 2 mois après que tu gagnes à pointer. Mon petit gars crié par le président Michel lui-même et tu dis avec moi, Ahmed, mon parler qui vous demande sa bonne question. Il t'a envoyé un SMS personnellement pour dire moi, il parler et répéter mon parler qui va le fouiller dans sa bonne affaire. Moi, envie ou get 10 dès l'avant. Moi, mon opinion pour moi, à ce temps-là, c'était, mais si on envie qu'on ait quoi qu'il a le mal et pour éviter l'y arrive encore, ou besoin vraiment comprendre quoi qu'il fait ça quelque chose à mal pour qu'à corriger l'équipe arrive encore mais mon pas capable de faire ça parce que forcé 6 mois plus tard il dit si moi le bord des Seychelles il dit moi merci pour le travail et nous besoin continuer avec un nouveau board et pas trop longtemps après moi t'entends qu'ils ont pu faire l'arrangement pour les autres prendre un bon pas dans bon chez les Seychelles pour les autres donner avec un accompagnant à Abu Dhabi, Etihad. Ce qui m'a dit à la télévision, c'est que moi, j'ai gagné la nationalité maldivienne en 2009 et peut-être 6 ans. C'était qui m'a fait ça parce que nous avons fait une réforme économique et peut-être moi, j'ai l'air de l'endroit pour moi capable d'aller en cas quelque chose ne se passe bien. Ce qui m'a dit aujourd'hui, c'est que moi, quand je travaille, j'ai tout le temps confiance dans ce que je peux faire. En effet, c'était en décembre 2009, plus qu'un an après la réforme qui a fini de commencer, Cécile, quand la dette qui a fini de gagner pardonné par Paris Club, quand la devise qui a fini de gagner résoudre, qui n'est plus en black market, quand tout ce qui peut m'assurer, que moi, je prends une vacance de 3 jours pour aller aux Maldives. Avec recommandation de mes parents, ça l'étend. Je dis, je suis fatigué, mon famille, tout ça là. Je prends 2-3 jours de vacances. Là, moi, j'arrive à Maldives. C'était le gouvernement Maldives qui t'a offert moi parce que mon parent est maldivien. Je dis, moi, j'ai un title pour un passeport. Moi, je dis, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et je t'ai offert moi mon passeport même jour qu'ils ont écrit moi. Et ils ont donné dans mon main par le ministre immigration maldivien à l'époque. Pour moi, tiens, je suis content, mais ce n'était pas moi qui ai envie de gagner un passeport maldivien. En effet, aujourd'hui, je peux confirmer que ce passeport a fini expiré depuis le 17 décembre 2014. Ce n'était pas un safety net pour moi qui n'a pas sauvé. Je n'ai jamais fait ça. La question qui, 6 ans, il arrive une discussion entre Cécile et Maldives, disons, de quel côté je peux prêter? Je peux répondre à ça très simple. Beaucoup de Cécilois, il y en a dual nationality. Et beaucoup, c'est ces lois, ils demandent une position senior dans le gouvernement. Par exemple, ministre finance, il y en a un passeport anglais. Il y en a certains chiefs exécutifs qui demandent des affaires pour faire la paix, qui demandent des affaires pour faire exil. Il y en a plusieurs nationalités. Il y en a 3 nationalités autant. Mais ils peuvent négocier, ils ne peuvent pas cesser, avec un pays, avec qui ils sont nationales. Mais il n'y a pas rien mal avec ça. Nous ne pouvons pas aucune la loi dans Cécile. Peut-être qu'il y en a une question éthique, mais ça, c'est une question qui, président et tout le monde qui peut exercer un contrôle sur les décisions qu'il gagne prend, il besoin tout le temps pour avoir l'attention que toutes les décisions qu'il gagne faire, il besoin gagne zéro par lui, il besoin gagne vert par lui. Alors pour moi, c'est n'a pas rien mal là-dedans. Moi, n'a pas aucun remords de conscience à cause de mon dual nationality. Et ça, nos constitutions permettent. Et pour moi, on n'a pas rien mal là-dedans.
J'ai fait allégation comme quoi moi mon désalloué mon bateau avec SF. Laisse-moi dire qu'ils ont même mon désalloué mon bateau avec SF. Mais par contre, il y a un RCSF français qui en 2005 qui après qui m'ont même quitté dans Central Bank et ministère finance. J'ai demandé moi parce que mon sa petit bateau qui moi non, il y en a un morceau devant qu'ils ont qu'à servir pour mettre l'équipement pour mettre certains bouées etc. Qu'ils ont tiré mon bateau approprié. C'était les autres qui t'a posé en effet. Moi pas t'y habiter louer mon bateau. Moi, je dis, n'a pas de problème, je t'amène du fuel, etc. Là, mon bateau, je t'ai servi pour 2-3 jours pendant des mois, en effet, avril et mai 2005. Et voilà qui m'ont fait. Je n'ai pas aucun la loi Cécile, je n'ai pas fait aucun crime, je n'ai pas aucune décision qui n'affecte SFE, je n'ai pas fait rien mal. L'alliance est si loin.